Alors, c'est le fameux panel de notre rencontre sur les corticothérapies. Alors, je vais vous présenter Dr. Bernard Bray. Il est professeur agrégé des départements de neurologie et de neurochirurgie, ainsi que de celui de génétique humaine de l'Université McGill. Il est directeur du groupe neuromusculaire de l'Institut et Hôpital neurologique de Montréal. Alors, il va animer le panel pour cet après-midi. Merci beaucoup et bienvenue. J'espère que tout va bien. Tout le monde a bien mangé. On a un peu de retard. Je voulais vous expliquer un peu comment on a choisi ce thème et aussi un peu des éléments pour la prochaine heure et demie. On fait un thème qui est un peu controversé, sans certainement avoir trop. Un thème qui permet de faire quelque chose qu'on fait de façon remarquable dans les maladies neurodégénératives, c'est cette idée que le malade passe de l'enfant à l'adolescent, à l'adulte. Donc, quelque chose qui traverse son parcours de vie, c'est peut-être une condition qui va être autant va mener à des défis autant pour les études adultes, pour les études pour les enfants, pour les études mixtes. Et on a décidé de le faire en allant chercher une initiative locale, de gros niveau pour les familles d'or, on a tout un projet de collègues qui viennent de différentes disciplines, qui sont une thématique actuelle en allant en étudiant, pourquoi s'occuper de ces jeunes et de ces adultes sans venir de différentes horizons, pas seulement les médicaux, mais autres évidemment. Cette fois-ci, la perspective est très très efficace, on a aussi la mesure du médecin sur scène, parce qu'on sait que beaucoup de personnes dans la salle peuvent continuer. Donc, l'objectif de la structure, c'était de donner de l'information à l'interne médicale et par la suite, ouvrir le débat. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entre nous dans la salle avec des opinions et des expériences qu'on peut discuter et partager. Pour nous, le temps est écourté, je vais peut-être être des fois un peu insistant auprès de nos conférenciers. On leur a demandé de vous préparer quelque chose sur la thématique du début du traitement, de l'arrêt du traitement, des complications du traitement. Donc chacun va arriver avec une présentation ou des commentaires sur ce sujet par la question de s'asseoir. Et après ça, il y a une discussion ouverte en utilisant le micro. Et c'est moi qui serai le maître de la séquence, si on veut. Donc, je vais vous présenter chacun des conférenciers en mesure qui vont s'installer. Donc, Marianne Poussy de l'Hôpital pour enfants de Montréal. Merci, Marianne, d'avoir accepté de venir nous parler. Marianne est une neuropédiatre, c'est-à-dire une maladie neurodégénérative, et aussi une épidémiologue. Et tout le temps, un débat qu'on ne travaille pas toujours au Development Base. Donc, cette fois-ci, on lui a demandé, on va vraiment mettre un défi. Elle travaillait déjà sur un projet d'évaluer le traitement aux corticothérapies des enfants Duchenne. Et donc, on est maintenant un peu présenté, on fait une sorte de mise à jour, si on veut. Donc, c'est, on a donné du temps pour faire ça. Donc, on met la table avec... Merci Bernard. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que ça t'aiderait de parler avec ça? Non? Non, d'avoir les mains libres. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bonjour. Alors, je suis allophone et je travaille en français sans problème, mais c'est ma première présentation vraiment médicale en français. Fait que vous m'excuserez un peu si je parle en franglais, mais je ferai de mon possible. Alors, dans la prochaine demi-heure, j'aimerais faire juste un survol de la littérature sur l'utilisation de la corticothérapie chez les enfants atteints de la dystrophie musculaire de Duchenne. Et en effet, quand on y pense, là, dans notre pratique, quand on fait cette recommandation, c'est basé sur quoi? Pourquoi on recommande cette utilisation-là? Et les directives du American Academy of Neurology, ça date déjà de 10 ans. Et qu'est-ce que ça disait? Leur conclusion, enfin, c'était de donner de la prednisone à cette dose-là, 0.75 mg par kilogramme par jour, ou bien la déflazacor, pour laquelle il y avait un petit peu moins de preuves, à 0.9 mg par kilo par jour. Puis ils avaient basé ça selon des effets vraiment à court terme, des effets sur un an de traitement seulement, sur la fonction motrice. Mais on ne parlait vraiment pas de la scoliose, cardiomyopathie, longévité de vie, etc. Mais en pratique, on sait qu'il y a beaucoup de variations dans ce qu'on fait. Est-ce qu'on utilise la prednisone ou la déflazacor? Est-ce qu'on commence à 5 ans ou à 7 ans, à 3 ans? Quand est-ce qu'on l'arrête? Une fois qu'on arrête de marcher? Il y a beaucoup de variations, puis vraiment aucune directive de l'AN depuis ce temps-là. Mais en pratique, on connaît un petit peu les effets à long terme.
Puis depuis la dernière production de publication de l'AN, il y a eu beaucoup plus de publications à long terme. Fait que c'est un petit peu ce survol-là que j'aimerais faire. Alors, les effets sur la durée de vie, la fonction motrice, la scoliose, la fonction pulmonaire et fonction cardiaque. Donc, je vais essayer de faire le survol de tout ça et voir est-ce que vraiment il y a une différence entre prednisone et des flazacortes. OK? Il y a beaucoup d'études. Pour faire les recommandations, il y a une classification des études. Donc, on dit que si l'étude est vraiment randomized control trial, il y a un groupe placebo, treatment allocation, donc il y a beaucoup de critères qui font qu'une étude devient classe 1. C'est très difficile de devenir classe 1. Pour chaque question, si jamais il y a des études classe 1 ou 2, je ne vais pas parler des autres études de plus basse classe parce que les recommandations vraiment viendraient des études qui sont mieux faites. Donc, vous allez voir pour chaque question, il y a des études qui vont revenir qui répondent vraiment à plusieurs questions. Donc, est-ce qu'il y a une différence si on prend la corticothérapie sur la durée de vie? Il y a plusieurs études qui ont regardé ça. Donc, une étude de Toronto qui était rétrospective sur des adolescents en Duchenne, un suivi d'à peu près 5 ans pour chaque personne au moins. Puis ils ont vu que, oui, évidemment, les enfants qui prenaient la déflazacorte, il y avait à peu près 5 % qui étaient morts, mais ceux qui étaient sans traitement, bien, 35 % étaient morts. Fait que si on calcule un relative risk de décès avec traitement, c'est protectif. Donc, si on prend la déflazacorte, ça nous semble nous protéger, puis on vit plus longtemps. Il y a une autre étude plus récente encore de Toronto qui a encore regardé la déflazacorte. Et là aussi, ça montrait que, bon, sans traitement, encore, les enfants en adolescence pouvaient mourir plus tôt que ceux qui prenaient la déflazacorte. Puis une étude, je la mets en highlight parce que c'est de Montréal. C'était une étude rétrospective de Marie-Enfant qui a regardé d'autres questions, mais entre autres, ils ont regardé la durée de vie. Et encore là, ils ont vu que les enfants qui étaient sur des flazacortes ou prednisone, une plus petite portion était décédée comparée à ceux qui avaient choisi de ne pas prendre la corticothérapie. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Pas grand-chose pour la prednisone. La déflazacorte semble avoir un effet sur la durée de vie. La fonction motrice. Donc, ça, c'est une étude de 1989, mais je le mentionne parce que il y avait deux grosses études, randomized control trial, qui avaient été faites. Donc, ça, c'était la première de Mendel. Sur lesquels vraiment beaucoup de ce qu'on fait est basé. Donc, ils avaient pris un groupe d'enfants prednisone à deux différentes doses, 0.75 et 1.5 par kilo par jour, comparé au placebo. Puis le traitement a été pour 6 mois, suivi pour 1 an total. Début de traitement en moyenne vers l'âge de 9 ans. Hein? C'était des enfants qui étaient un petit peu plus avancés. Et leur primary endpoint, vraiment, c'était une amélioration de la force motrice. Donc, ils avaient un scale de 10 points. Puis, ils ont montré que, oui, pour les deux doses de prednisone, ça semblait aider pour la force motrice. Puis, il y avait aussi des mesures secondaires sur la fonction motrice, donc time to stand, par exemple. Puis, il y avait une différence significative entre le groupe placebo, en dedans de vraiment un an, là, après 6 mois de traitement, et les deux groupes de prednisone, avec une petite différence encore entre les deux groupes de prednisone, avec la plus haute dose aidant un petit peu plus. Puis si on y pense cliniquement, si un enfant peut se mettre debout en temps de 3 à 4 secondes, comparé à 6 secondes, c'est-tu une grande différence? Non, mais c'est quand même une différence qu'on remarquerait cliniquement. Griggs, c'est la deuxième grosse belle étude qui a été faite, aussi Randomized Control Trial, qui était classe 2. Cette fois-ci, la prednisone en deux doses, c'était le 0.75, mais là, eux, ils ont comparé à 0.3, donc une plus petite dose, ou le placebo, encore là pour 6 mois, un suivi de 1 an, puis le début de traitement encore vers l'âge de 9 ans. Et encore là, ils ont vu la force moyenne était supérieure
avec les deux groupes de traitement prednisone que placebo. Encore là, la plus haute dose semblait aider un petit peu plus que la plus basse dose. Il y a eu plein d'autres études, classe 3, mais encore là, puisqu'on a les deux classes 2, c'est eux qui prennent le dessus. Mais juste pour mentionner, pour la déflazacorte, parce que les deux autres études, c'était seulement la prednisone, pour la déflazacorte, il y a eu 5 autres études, toutes classe 3, qui ont toutes démontré une amélioration, bien sûr, de la fonction motrice, dont spécifiquement l'âge, parce que pour la prednisone, souvent, ils n'avaient pas regardé ce endpoint-là, mais pour à quel âge on va devenir dépendant de chaise roulante, une différence de 1,4 à 2,5 ans, quand même, entre les différentes études. Donc, la corticothérapie semble bien améliorer la force motrice et la fonction motrice à court terme et aussi vraiment à plus long terme selon les autres classes 3. Ça, c'est pas une grosse surprise, j'imagine. Puis la scoliose, est-ce que ça aide la scoliose à long terme? Mais là, on a des études qui ont fait un suivi puis ils ont regardé les enfants à l'âge de 18 ans pour voir est-ce qu'à 18 ans, l'enfant avait besoin d'une chirurgie corrective pour sa scoliose. Donc, ça, c'est peut-être un marqueur de scoliose plus sévère. Juste pour faire un sommaire, pour aller un petit peu plus vite, j'en ai mis 5 ici. Ça, c'est toutes des classes 3, des études de classe 3. Quelques-uns qui utilisaient la prednisone et la déflazacorte, ou un ou l'autre. Pas une grande différence entre un puis l'autre, mais vous allez voir, sans traitement, avec traitement, il y a moins besoin de chirurgie corrective avec le traitement à l'âge de 18 ans. Donc, ça semble être protectif. Et si on ne regarde pas une scoliose sévère, mais la scoliose point final d'un 20% ou plus, le endpoint ici, dans celui du milieu, est un petit peu différent, là, mais comme Allman, déflazacorte, à l'âge de 18 ans, est-ce qu'ils ont une scoliose d'au moins 20 degrés? Avec traitement, seulement 10% des enfants l'avaient, comparé à 90% sans traitement. Kinali, eux, ils ont dit à 18 ans, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de scoliose du tout? Et avec traitement, il y en avait zéro. Mais avec traitement, un tiers de leurs enfants n'avaient pas de scoliose du tout à l'âge de 18 ans. Et Bigar aussi, en Toronto, trouvait un petit peu la même chose. À 13 ans, un petit peu plus jeune, est-ce qu'ils ont une scoliose, oui ou non, d'au moins 20 degrés? Sans traitement, presque la majorité, oui. Puis avec traitement, beaucoup moins. Et encore là, on voit une différence avec la dose. Donc, ceux qui prenaient le 0.6 de déflazacorte, avaient un tiers avaient une scoliose. Puis ceux qui prenaient le 0.9, qui est plus couramment utilisé, beaucoup moins de scoliose. Ça semble aider la scoliose. Pour la fonction pulmonaire, encore là, on revient aux deux belles grosses études de Mendel et Griggs. Pour Mendel, lui, il avait pris des enfants âgés d'entre 5 et 15 ans, en moyenne 9 ans, on avait discuté. On avait les deux doses, 0.75, 1.5 de prednisone, le placebo, pour 6 mois. Donc, dans une très courte période de temps, ils ont déjà trouvé qu'il y avait une différence dans la fonction pulmonaire. Donc, ils ont regardé le forced vital capacity en litres. Je ne suis pas sûre pourquoi ils ont juste rapporté les litres et pas le percent predicted. C'est difficile d'interpréter ça juste en litres. Ils ont aussi regardé le maximal expiratory pressure. Encore là, on a des enfants de 5 ans puis des enfants de 15 ans, donc je ne suis pas sûre pourquoi ils comparent pas en pourcentage, mais en tout cas, leur conclusion, c'était que, bon, les p-values, une différence entre un puis l'autre, une grosse différence si on prend la prednisone vraiment sur 6 mois comparé au placebo pour la fonction pulmonaire. Griggs a fait un petit peu la même chose, puis lui aussi, il regardait seulement les litres, les millimètres de mercure et pas les pourcentages basés sur l'âge, malheureusement. Mais lui aussi, il trouvait que, oui, il y a une différence. Si on prend la prednisone à court terme, ça semble aider la fonction pulmonaire. Plein d'autres études classe 3 à plus long terme qui ont toutes démontré une amélioration sur différentes mesures de la fonction pulmonaire. On ne va pas rentrer en détail, mais forced vital capacity, clairement, va mieux avec la corticothérapie à court et à long terme. Fonction cardiaque, plusieurs vraiment belles études là-dessus.
le percent shortening fraction, moi je ne connaissais pas ça, c'était une mesure de la fonction de la ventricule gauche qui est utilisée comme marqueur pour suivre la progression de la cardiomyopathie. C'est vrai, je vois le docteur Fournier qui dit oui, c'est bon. Les études, souvent, ils vont dire si le left ventricular ejection fraction est moins de 45 % ou bien le shortening fraction est moins de 28 %, c'est leur définition d'une cardiomyopathie dans plusieurs de ces études-là. Donc, encore là, pour ça, c'est deux études qui regardaient ces effets-là. Puis, à 18 ans, avec traitement, seulement 10 ou 11 % là, des enfants traités avaient une cardiomyopathie, ce qui est vraiment remarquable là, à 18 ans, comparé à the natural history qu'on sait. Ça, c'est l'étude en dessous là, de Barber 2013, juste pour rentrer un petit peu plus en détail, parce qu'ils avaient vraiment 462 patients. C'était Surveillance MD StarNet. Le hazard rate qu'ils avaient calculé, ça c'est, je peux-tu avoir un, oui, ça, on le voit ici. La ligne grise ici, c'est avec traitement, et la ligne plus noire ici, c'est sans traitement. Et il y a toujours une différence entre les deux. Dépendamment à quelle mesure qu'ils vont regarder, même à chaque année, combien de pourcentage du left ventricular ejection fraction diminue et du percent shortening fraction, clairement une différence avec le traitement. D'autres études, ça c'est le même auteur, mais c'est deux différentes études qu'ils avaient publiées avec différents suivis, 3-4 ans à peu près, encore là, surtout des adolescents, trouver que l'âge moyen de développer une cardiomyopathie avec stéroïdes, c'était vers l'âge de 15 ans à peu près, puis avec sans traitement à 13 ans. Donc, ça retarde l'âge où ils vont développer la cardiomyopathie. Pas trop rentrer en détail. Ça, c'est une question pour moi qui n'a jamais bien été répondue, même aujourd'hui. Y a-t-il vraiment une différence entre la prednisone et la déflazacorte? Donc, il y a l'efficacité, mais aussi les effets secondaires. L'efficacité, ici, on a une étude de 2005. C'était une étude rétrospective aux États-Unis, où il y avait la prednisone ou déflazacorte, commencée à peu près vers l'âge de 7 ans, là. L'efficacité, ils ont trouvé ça équivalent. Ils ont regardé la fonction motrice, ils ont regardé la fonction pulmonaire et besoin de chirurgie pour la scoliose. Pour ces mesures-là, pour eux, c'était la même chose. Pour les effets secondaires, il était un petit peu différent. Avec la prednisone, il y avait plus de gain de poids dans les premières années de traitement, donc au tout début, les 2-3 premières années qu'on commence le traitement. Mais en adolescence, ils trouvaient que c'était la même chose quand ils regardaient leur poids. La déflazacorte, il y avait beaucoup plus de risques de cataracte, mais qui était asymptomatique. Donc, il n'y a aucune des études de prednisone qui ont trouvé des cataractes, mais avec les études qui regardent la déflazacorte, sont toujours reportées. Une autre étude d'Italie, là, ils regardaient, c'était Randomized Control Trial, prednisone, déflazacorte pour un an. L'âge de début était vers 7-8 ans. Encore là, l'efficacité était équivalente entre les deux pour la fonction motrice et la force musculaire. C'était la seule chose qu'ils regardaient. Effet secondaire, encore là, c'est là qu'il y avait une différence. Il y avait plus de gain de poids avec la prednisone dans la première année de traitement. Donc, c'était une étude sur 12 mois. Et à 12 mois, à la fin de l'étude, l'augmentation moyenne de poids avec la prednisone était de 21%. Avec la déflazacorte, 9 % donc une belle différence entre l'augmentation moyenne de poids dans les deux groupes. Et si on regarde, est-ce qu'il y avait des enfants qui avaient augmenté plus de 20 % de leur poids initial? Encore là, avec la prednisone, la moitié des enfants avaient pris un gain de poids de plus que 20 % mais seulement 11 % de ceux qui ont pris la déflazacorte. Les effets secondaires qu'eux, ils ont regardés, ils n'avaient pas les cataractes sur leur liste, mais les changements de comportement, symptômes gastriques, hypertension, hirsutisme, contrôle de glycémie, pas une grosse différence. Une autre étude rétrospective encore aux États-Unis dans deux centres, traitement sur 3 ans, initiation de traitement vers 6 ans et demi.
Pour eux, ils ont seulement regardé la fonction cardiaque. Est-ce que c'est équivalent? Et vous l'avez deviné, ils sont équivalents pour l'effet sur la fonction motrice. Mais c'est quoi ces effets secondaires-là? Donc, je mentionne encore Mendel puis Griggs parce que c'était les deux belles grosses études sur la prednisone. Et les effets secondaires qu'eux, ils ont remarqués comparés au placebo. Donc, avec... avec une différence qu'on voit en augmentant la dose de prednisone, gain de poids de plus de 20 % une différence significative. Apparence Cushingoid aussi, on le trouve avec la prednisone comparé au placebo. Et hirsutism aussi, on trouve un petit peu différent. Et cliniquement, on sait tous que prednisone et flazacort, les deux vont avoir ces effets secondaires-là. Une dernière étude, vous en avez marre des études, ça c'est la seule étude classe 1 en Duchenne présentement, qui a été publiée assez récemment. Comparer la prednisone utilisée seulement les fins de semaine à haute dose, à 10 mg par kilo, comparé à tous les jours. Donc 10 mg par fin de semaine. Par kilo par fin de semaine, comparé à 0,75 par kilo par jour aux États-Unis, des enfants de 4 à 10 ans, un traitement pour 12 mois. Donc, comme les grosses études avant, c'est vraiment à court terme qu'on regarde ça. Et l'efficacité était équivalente entre les deux doses. Il n'y avait aucune différence dans la force musculaire, dans les fonctions motrices, time to stand, etc., et la fonction pulmonaire. Et les effets secondaires, entre daily dose et weekend dose, il n'y en avait pas. On aurait pensé peut-être qu'il y aurait une différence, mais il n'y avait pas de différence. Je l'ai mis deux fois. Ah! Mais on ne sait pas c'est quoi les effets à long terme. Et ça, on va le savoir avec le temps, parce que ça vient de sortir, puis j'imagine qu'ils vont publier ça éventuellement. Mais est-ce que vraiment, avec le weekend dose, ils vont maintenir cette équivalence sur la force musculaire et fonction motrice à long terme? Je suis pas sûre. Et puis, est-ce que les effets secondaires à long terme, ça va être mieux avec le weekend dose ou non? J'imagine que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais ça reste à voir. On ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc, quel est l'âge optimal pour débuter la corticothérapie dont Amélie Nadeau va discuter tout à l'heure? Je n'ai pas mentionné ça dans mon survol de la littérature parce que, comme j'ai dit, je parlais des classes 1, des classes 2, des classes 3, mais les classes 4, classe 4, on parle de quand il n'y a pas de control group. Et il y a un chercheur en Italie qui a essayé. Il y avait 8 patients qui avaient diagnostiqué pré-symptomatique. Donc, il y avait 2 ans, 3 ans. Et ils avaient tous commencé cette étude prospective. Puis, dans les 8, je pense qu'il y en avait 5 qui avaient choisi de commencer la prednisone pré-symptomatique. Et puis, 3 qui avaient dit, non, on va attendre. Mais malheureusement, les 3 qui étaient dans son groupe de contrôle ont été perdus au suivi. Donc, il a publié seulement les 5, donc il y en avait 4 qui lui restaient, beaucoup, à 14 ans plus tard, puis il a décrit comment il allait. Si vous êtes curieux, je peux vous dire comment il allait. Mais c'est pas, it's not going to drive any recommendations parce qu'il n'y avait pas de groupe de contrôle. Mais si je me souviens bien, dans les 4, il y en avait 3 que vers l'âge, time to say, il était encore ambulatoire à 17 ans, 18 ans. Là. Ils ont perdu la capacité de marcher entre 16 et 18 ans. Il y en avait un à 19 ans qui marchait encore. La plus grosse différence, c'était l'effet secondaire. Donc, le plus gros effet secondaire, c'était sur la croissance. Donc, il y avait un case report d'un de ses patients à 19 ans, puis il y a une photo de lui. Qui se tient à côté de sa sœur de 12 ans qui towers over him. Mais c'est peut-être aussi avantageux. C'est peut-être pour ça qu'il peut marcher encore.
parce qu'il est, qu'il a, c'est, en tout cas, on a besoin d'autres études là-dessus. La dose optimale de déflazacorte, il y a un petit peu d'études sur 0,6 mg comparé à 0,9, mais vraiment pas bien déterminé. C'est surtout basé sur l'équivalence de déflazacorte puis prednisone, là, disons 0,9 c'est équivalent à 0,75 si on le calcule. Et puis, est-ce que déflazacorte et prednisone sont réellement comparables pour l'efficacité? Ça semble que oui, ils sont pareils. Pour les effets secondaires, ils ne sont pas pareils. Puis sur la qualité de vie, malheureusement, il y a toutes ces études-là, il n'y en a pas beaucoup qui vont demander cette question-là. Puis peut-être que des marqueurs de qualité de vie devraient être intégrés dans les futures études. Puis tout ce qui est pour la santé osseuse, bisphosphonate, donc il y a eu une seule étude qui a montré que le bisphosphonate, les enfants avaient une plus longue durée de vie. Pas très bien expliqué. On a besoin de plus d'études là-dessus. Je pense que je vais juste vous laisser là-dessus. Il y a des initiatives pour améliorer la qualité des études publiées. Donc, dans ces survols de littérature-là, il y avait plein d'autres études. Didn't make the cut. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi ces initiatives-là. Donc, dépendamment au type d'études que vous faites, si c'est un randomized control trial, si c'est un prospective study, il y a certaines choses qu'il faut dire. Est-ce que did you do allocation concealment or not? Souvent, comme pour Mendel puis Griggs, pourquoi ils sont classe 2? Malheureusement, parce qu'ils n'ont pas mentionné allocation concealment. Mais c'est quelque chose que sûrement qu'ils avaient fait, c'est juste qu'ils ne l'ont pas écrit. Mais il faut l'écrire. Donc, reporting guidelines, c'est très important. Puis, je trouve qu'au Québec, on a vraiment une belle population. Il y a tellement de choses qu'on pourrait sortir puis mettre dans la littérature, mais il faut bien le faire, puis il faut bien l'écrire. Donc, juste pour être conscient de ces initiatives-là. Fait que moi, je vous laisse là-dessus, avec plein de références. De façon brillante. Je pense qu'on va passer aux autres intervenants qui ont aux autres conférenciers qui ont un peu moins de temps, mais qui, en termes d'expérience, par contre, je vais demander à qui mais je vais demander à Anne-Fournier, qui est une super cardiologue de Sainte-Justine, mais qui est aussi un cardiologue itinérante au Québec, hein? Celle qui se promène partout, qui est dévouée à sa clientèle de façon remarquable, pour ça aussi, va nous parler comme cardiologue un peu de son. Merci. J'ai pas mes lunettes tout à l'heure. Vois-tu le corticocérébral peut-être ça? Fonction cardiaque, oui. Alors, pendant qu'on load ça, il y a une couple d'années, je travaillais avec d'autres personnes, hein, je ne travaillais pas tout seul. Alors, un de mes collègues, Najib, m'envoie un email une fin de semaine. Alors, je niaiseuse, j'ouvre mes emails la fin de semaine. Puis là, Najib me dit, il cherche de l'argent pour, il offre de l'argent pour des projets de recherche en itinérance. Il faut que tu soumettes, tu es toujours en itinérance. Tu fais des cliniques partout. Je dis, ah bon, oh non, je ne commencerai pas à regarder ça la fin de semaine, un projet de recherche. Mais je me dis, bon, ben là, du coup, je vais y aller, j'avais le temps. Alors, mais vous savez de quelle itinérance on parlait. Alors, c'était les itinérants dans la rue et c'était pas le type de travail que moi je fais. Alors, ça s'appliquait pas du tout à mon affaire. Alors, j'étais très choquée après mon collègue parce que c'est ça que tu penses de moi, là, quand je fais de l'itinérance, là, c'est comme ceux qui sont dans la rue quand même. Alors, sur ce, comment je fais ça, là? Moi, j'ai pas... Oui, mais là-dedans, moi, j'ai pas de... J'ai un Mac, hein? Diaporama, c'est ça? Il faut juste la poser ici en général, puis ça fait le travail. OK, c'est bon. Oups! Alors, j'ai commencé à être impliquée à la clinique des maladies neuromusculaires il y a très, très longtemps. Dr. Vanas m'avait approchée puis m'avait demandé, comme cardiologue, de venir travailler à Marie-Enfant. On voyait les patients avec problèmes cardiaques suspectés, patients avec maladies neuromusculaires à Sainte-Justine. Mais un grand garçon du chêne en chaise roulante qui arrive dans le bordel de notre clinique à qui on veut faire un écho, c'était tout à fait impratique. Et ça prend un équipement, ça prend un système pour pouvoir évaluer ces patients-là. Alors, dans le cadre de cette fameuse itinérance, j'ai commencé à faire les cliniques à Marie-Enfant. Et c'est une clientèle très, très attachante. Hein, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Puis les gens avec qui on travaille aussi sont très attachants et dévoués.
Puis encore une fois, quand je sors d'une clinique, là, je bénis le bon Dieu d'avoir deux enfants en santé. Puis quand ils chiolent un peu à la maison, bien, je lui dis, viens donc faire un petit mercredi avec moi. Tu vas peut-être moins chioler que tu n'as pas eu le dernier iPod ou le dernier iPad. Et quand j'ai commencé à faire la clinique, bien, docteur, les patients prenaient tous des stéroïdes. Moi, j'ai frisé. Alors, vous imaginez voir docteur Fournier friser. Les stéroïdes, là, c'est méchant, ça. Ça fait une rétention hydrosodée, puis ça donne l'hypertension. Puis on donne ça chez des enfants dont le cœur va flancher. Bien, voyons donc, vous allez toutes les tuer. Alors, je suis partie avec ce principe-là, puis cette base-là, mais j'étais complètement dans le champ. Et je pense qu'on a ouvert la table, les stéroïdes, c'est bon, puis ça protège le cœur. Alors, j'étais tellement impressionnée que ça, qu'on a revu notre cohorte, et on vous a montré cet article-là, qu'on a publié au cours des deux dernières années. Alors, on a regardé tous nos résultats, et le but de cette étude-là, c'était vraiment regarder l'atteinte cardiaque chez nos dystrophiques. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que ça n'aide pas juste le cœur. Dans notre cohorte, on a été capable de prouver qu'on améliorait grandement la mortalité globale dans cette population-là. Et la mortalité globale était améliorée parce que la mortalité cardiaque était vraiment améliorée, c'est-à-dire qu'il n'y en avait plus, ou presque plus. Alors, l'atteinte cardiaque, elle est fréquente. Ça va atteindre 100 % des patients dystrophiques à l'âge adulte, encore aujourd'hui, malheureusement. Ça se diagnostique par des anomalies à l'ECG. Les patients peuvent avoir des troubles du rythme, mais ce n'est pas ça leur problème majeur. Ils ont surtout un problème de cardiomyopathie dilatée. Le muscle du cœur devient fatigué, comme tous les muscles partout ailleurs. Alors, les premiers signes d'une atteinte musculaire cardiaque, c'est une dilatation des cavités cardiaques qui va se manifester à l'écho par une diminution de la fonction systolique qu'on étudie par la fraction de raccourcissement ou la fraction d'éjection. Puis je vais vous montrer un petit peu ce que ça a l'air quand on mesure ça. Si on peut avoir des indices beaucoup plus subtils que juste l'écho de standard qu'on fait, qu'on appelle le Doppler titulaire, et c'est des choses qui se développent avec les années. Et il y a des études récentes très, très intéressantes qui montre que la fibrose au niveau myocardique, elle va précéder l'atteinte qu'on voit sur notre échographie. Alors, si on est capable d'aller jouer sur ça, peut-être qu'on peut aider ces garçons-là à vivre encore plus vieux puis à avoir un meilleur cœur. Mais faire des résonances magnétiques, on n'a pas les budgets américains où ils font aux années chez les dystrophiques, mais ils ont eu la gentillesse de publier leurs données, ce qui est très intéressant. Alors, l'atteinte de fibrose, elle est caractéristique dans cette région-là, postéro-latérale. Pourquoi, je ne le sais pas, mais c'est là qu'on voit que ça commence à être atteint, la région juste sous la valve mitrale. Alors, j'ai dit qu'on avait sur les CG des anomalies, l'écho, la résonance. On peut utiliser la médecine nucléaire et aussi utiliser des marqueurs sanguins pour nous aider à suivre tout ça. Alors, à l'ECG, ça va ressembler à ça, où normalement, chez un grand garçon, vous ne devriez pas avoir des espèces de voltage aussi élevé dans cette zone-là. Alors ça, c'est un grand classique d'un ECG d'un jeune avec du chêne. Et l'échographie, bien, c'est ça qu'on mesure. Alors ça, c'est un écho normal. On fait une coupe transversale du cœur ici. Vous avez le ventricule droit ici en avant, le ventricule gauche. La ligne qui passe ici, les petits pointillés, ça vous donne en déroulement cette ligne-là. Et là, vous imaginez le cœur qui contracte. Et on calcule des volumes en diastole, c'est-à-dire un diamètre diastolique et un diamètre systolique. On fait une formule simple, diastole moins systole divisé par diastole. Et c'est ça qui vous donne le shortening fraction, la fraction de raccourcissement qui est normale entre 28 et 40. Alors, simple comme ça. Et là, vous avez ici un cœur de Duchenne. Alors, la fameuse région postéro-basale qui n'est pas belle, vous voyez tout de suite que le cœur est gros. Vous voyez aussi que c'est pas beau, mon image, puis c'est flou, puis c'est laid. Alors, tout le mérite revient à ma technicienne qui est capable de mesurer puis de voir quelque chose dans ces images-là. Et vous voyez tout de suite que ce patient-là avait une atteinte où son cœur est beaucoup plus gros et la force de contraction est moindre. Fait que c'est ça qu'on regarde, puis c'est ça qu'on mesure. Alors, on a des traitements pour l'atteinte cardiaque, les traitements qui sont des vasodilatateurs. Et il y a des études chez la souris dystrophique qui montrent que l'utilisation surtout des bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine pourraient avoir des effets efficaces, comme le losartan. Ça fait que pour ça que vous voyez les patients qui prennent ça. Il y a un effet bénéfique protecteur de la fibrose, mais il y a un effet aussi de traitement de la défaillance. C'est les mêmes traitements qui sont donnés en défaillance adulte ou défaillance parce qu'on a fait un infarctus ou d'autres problèmes.
On peut utiliser les bêta-bloqueurs, le digoxyl, les diurétiques, n'importe quel traitement cardiaque. Et il y a peut-être de l'espoir de nouveaux traitements. Je vais vous en glisser un petit mot à la fin. Alors, l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure, on avait quand même une grosse cohorte de malades. Alors, on avait 86 patients, ce qui est quand même pas mal, 63 patients sous stéroïdes, puis 23 sans stéroïdes. Et on voit l'évolution de ces patients-là à travers les années. Et on a été capable de mettre en évidence que le traitement avec stéroïdes protégeait grandement de la mortalité, de l'atteinte cardiaque, que la mortalité at large et que la mortalité spécifique de la défaillance cardiaque. Alors, je vais passer vite, mais sur des courbes de type Kaplan-Meier, c'est assez clair que voir que nos patients qui prenaient des stéroïdes mouraient beaucoup moins, vous voyez la ligne d'en haut qui est en noir, par rapport à ceux qui ne prenaient pas de stéroïdes, où on voit les décès, c'est beaucoup plus rapide, surtout après 8 ans de suivi. C'est sûr qu'ils vont mourir pareil, même s'ils prennent des stéroïdes, mais plus tard, c'est toujours le mieux. Et c'est la même chose pour l'atteinte cardiaque, où les stéroïdes comme tels les protégeaient. Les patients en noir, la ligne d'en haut, c'est les patients qui prenaient des stéroïdes. Et les patients en pointillés en bas, c'est les patients qui n'avaient pas de stéroïdes. Et ils commencent à avoir une atteinte cardiaque sans stéroïdes 7 ans après le suivi. Alors qu'après 15 ans, on a à peine 20 % de nos patients sous stéroïdes qui ont une atteinte cardiaque, une baisse de la fraction d'éjection. Alors, pour nous, on avait vraiment montré une diminution significative de la mortalité, puis la mortalité secondaire à la défaillance cardiaque et beaucoup moins de cardiomyopathie dilatée. Alors là, moi, je suis convaincue, là, puis j'ai plus peur, puis je frise plus quand je vois un Duchenne qui prend des stéroïdes. Je suis convaincue que j'aide à sa survie, je suis convaincue que j'aide à son état cardiaque et que ces patients-là doivent prendre le stéroïde. Ces patients-là, nos patients prenaient du déflazacort, fait que je vais parler en faveur du déflazacort puisque j'ai moins d'expérience avec la prednisone, mais je pense qu'en théorie, ça devrait être la même chose. Par contre, ce qu'on veut à nos patients, c'est qu'ils vivent encore plus. Là, ils vivent jusqu'à 30, 35 ans, mais on aimerait ça qu'il y ait encore une meilleure qualité de vie puis une vie encore plus longue. Malheureusement, plus ils vieillissent, plus on voit apparaître l'atteinte cardiaque qui est très, très dominante. Et il y a des littératures qui commencent à sortir qu'il y aurait peut-être d'autres molécules qu'on pourrait aider pour le cœur. Et ce qu'on a vu, des études qui sont actuellement en cours, il y a eu des études animales qui ont permis d'aller de l'avant avec des études chez l'humain, avec l'utilisation des inhibiteurs de la phosphodiestérase. Sildenafil, Viagra, Tadalafil ou Cialis. Alors, ces molécules-là aident le myocarde et il y a des études en cours. Les antagonistes des récepteurs de l'aldostérone, un peu l'aldactone qui n'est pas très puissant, mais il y a des études récentes avec l'épléronone, je ne suis pas capable de le dire, qui diminuerait la fibrose. Puis ces fameuses études-là où ils font des résonances magnétiques, ils montrent qu'il y a moins de fibrose sur le cœur. S'il y a moins de fibrose sur le cœur va toffer plus longtemps. Super, très intéressant. Il y a des gens très agressifs qui parlent même d'utiliser support mécanique, maintenir le cœur avec une pompe artificielle, ces patients-là. Et peut-être aussi, plus ils vont vivre vieux, plus s'ils ont de l'atteinte cardiaque, les arythmies peuvent être le problème important. Alors, est-ce qu'on va utiliser des défibrillateurs, que ce soit implanté interne ou mis externe sur la chaise roulante? Tout ça, c'est des sujets à débat, mais on doit rester à l'affût de toutes ces choses-là. Merci, et en voici un. Heureux. Donc, le prochain conférencier, Gilles. Donc, Gilles Chabot qui se joint à nous. Gilles est un pédiatre qui s'est joint à la clinique il y a presque plus, pas très longtemps, et qui, on était très content quand il arrive parce qu'il a une grande expertise dans l'os. Et donc, tout là, on pensait qu'il allait vraiment contribuer à la clinique de Marie-Enfant en nous faisant réfléchir sur les effets secondaires de ces fameux médicaments, et on en a profité. Donc, on lui a demandé aujourd'hui de nous parler un peu de son expérience et de ses idées là-dessus. Je vais t'aider. Est-ce que tu l'as ouvert? Ah oui, ben, je l'ai ouvert. Je vais fermer celui-là. Et tu es là. Celui-ci, ici? Oui. Il n'y a pas grand-chose. Alors, n'oubliez pas de noter vos questions. Avant que je commence à travailler au sein de la clinique, Dr. Valence m'avait demandé de voir les patients en consultation
initialement parce qu'il avait commencé depuis quelques années à traiter ses patients avec la cortisone. Et la cortisone, c'est quand même, comme disait docteur Fournier, excusez, je commence à être vieux, docteur Fournier, c'est un gros méchant médicament. Pour la majorité des pédiatres, qu'on traite beaucoup de choses avec la cortisone. Et donc, il y avait des inquiétudes. Et surtout, certains de ces patients avaient beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes. Puis, il avait remarqué des écrasements. Il nous a demandé qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, on a commencé à regarder les patients, décider qu'est-ce qu'on fait pour les traiter, améliorer leur qualité de vie et essayer de comprendre. Par la suite, aussi bien s'intégrer à la clinique pour voir toute la clientèle et suivre à long terme la population. Alors, la cortisone, comme j'ai dit, c'est un gros méchant médicament, très, très puissant, donc très efficace pour traiter certaines choses, mais malheureusement, c'est comme un gros canon qui agit sur beaucoup de systèmes dans l'organisme, pas juste sur là où on veut qu'il agisse. Et un des effets secondaires qui est quand même important et que l'on suit, c'est l'ostéoporose. Maintenant, l'ostéoporose dans la maladie de Duchenne, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la cortisone. C'est un problème assez complexe en soi. Et ça, c'est juste un des effets secondaires qu'on a de la cortisone. Maintenant, quand on regarde les patients avec Duchenne, avant qu'ils soient traités avec de la corticothérapie, on a un problème d'ostéoporose. C'est des patients qui vont développer une ostéoporose indépendamment du traitement. Mais on va voir surtout une ostéoporose des os longs, c'est-à-dire des fractures au niveau des os longs. Par contre, et ces patients-là, ça survient lorsqu'on a une perte d'ambulation, lorsqu'on a une perte de force musculaire, on a à ce moment-là une diminution de la formation de l'os au niveau cortical. C'est pour ça qu'on voit des fractures dans une population non traitée. Lorsqu'on commence la cortisone chez ces patients, ce qu'on voit apparaître et ce qu'on ne voyait pas avant, c'est des écrasements au niveau des vertèbres. Les vertèbres ont tendance à devenir très transparents, ils deviennent vides et à ce moment-là, ils ont tendance à s'écraser un sur l'autre lors de l'ambulation ou même juste en position assise. Ça provoque beaucoup de douleurs, un gros inconfort. En plus, ça les fait rapetisser. Ils vont vraiment perdre de la taille. Quand vous voyez les vieilles madames qui ont de l'ostéoporose comme ça, on les voit rapetisser avec le temps, puis ils pensent par en avant. C'est exactement ce qui arrive à ces patients-là. Et ça, c'est dû à une perte graduelle de la masse osseuse chez ces patients-là. On va aussi avoir d'autres effets au niveau du squelette, c'est-à-dire un retard au niveau de la croissance. Un squelette, c'est pas juste quelque chose qui est rigide, c'est quelque chose qui grandit chez les enfants. Et la croissance, c'est de l'os que l'on met à l'extrémité des os longs. Et lorsqu'on prend de la cortisone, on a un effet qui va ralentir beaucoup, beaucoup ce processus. Donc, les patients vont arrêter de grandir ou ralentir leur croissance. Lorsqu'on traite avec la cortisone les enfants qui ont une leucémie ou une arthrite rhumatoïde, on va donner même des doses beaucoup plus fortes qu'on donne. Et on va avoir un ralentissement de la croissance. Mais au bout de quelques mois, habituellement, on arrête, il va y avoir un rattrapage. Les patients avec Duchenne, on n'arrête pas. On continue le traitement à travers toute la période de croissance. À ce moment-là, il n'y a pas de rattrapage qui va se faire. On va avoir finalement une perte de la taille définitive du patient. Troisième effet au niveau du squelette, c'est un hypogonadisme. La cortisone, comme j'ai dit, c'est un gros canon. Ça va inhiber les autres hormones du système de l'organisme, c'est-à-dire l'hormone de croissance, mais aussi, chez les garçons, la testostérone. Les testicules ne grossissent pas. Chez la majorité de ces patients-là, il n'y a pas de testostérone. Et la testostérone, c'est important pour avoir des os qui sont épais, des os qui sont larges, des os qui sont solides. Un hypogonadisme, vous allez avoir un os qui va croître moins, donc devenir plus mince. Alors, c'est déjà trois facteurs importants qui vont affecter le squelette de ces patients-là. Comment ça agit, la cortisone? C'est assez compliqué. Ça agit au niveau des gènes. Ça va inhiber l'activité de plusieurs gènes. Ce qu'on veut, quand on donne la cortisone, c'est d'inhiber les gènes qui sont responsables de l'inflammation, des processus qui vont, disons, amener une destruction du muscle. Mais aussi des réactions inflammatoires comme dans les différentes arthrites
et compagnie. Et ça, c'est ce que l'on recherche, sauf que ça va inhiber aussi beaucoup d'autres molécules dans les cellules. Et donc, principalement, la synthèse du collagène. Le collagène, c'est la structure de l'os. C'est ça qui fait que notre os devient épais avec le temps. Le calcium va se déposer là-dessus. Mais le collagène, c'est important pour fabriquer de l'os. Et ça, c'est inhibé complètement, ou presque, quand on donne la cortisone. C'est pour ça aussi que dans notre peau, quand on donne la cortisone, devient plus mince parce qu'il y a moins de collagène. Et dans nos muscles aussi, on peut avoir une diminution de la synthèse de collagène, mais les bénéfices qu'on va en retirer sont quand même suffisants pour justifier cet effet secondaire-là. L'autre chose, c'est que ça diminue la survie des cellules osseuses qui fabriquent de l'os. Pas simplement fabriquer du matériel osseux, mais les cellules qui fabriquent, eux autres, vont vivre moins longtemps. Donc, ils vont fabriquer moins au bout de la ligne. Puis en plus, on a une suppression des différentes hormones. Comme l'hormone de croissance est diminuée beaucoup chez ces patients-là. Et ça, c'est important pour fabriquer de l'os, fabriquer de la peau, fabriquer une structure. Donc, ces patients-là, on leur crée des inconvénients importants avec notre médication. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que les bénéfices qu'on va en retirer sont suffisants pour justifier les effets secondaires importants comme ça? Si on pense que oui, à ce moment-là, on doit essayer de compenser, d'essayer de trouver des façons de diminuer les effets secondaires pour améliorer la qualité de vie de ces patients-là. Parce que un des premiers effets secondaires, c'est le ralentissement de la croissance. Les patients sont plus petits. Actuellement, on n'a aucun moyen de compenser ça. Donner de l'hormone de croissance, ça serait inefficace. Donner de l'IGF-1, qui est une hormone de croissance plus spécifique, on aurait peut-être un certain effet, mais on pense que ce n'est pas pratique et les effets secondaires seraient encore plus importants. Donc, actuellement, la croissance ralentie, on doit la tolérer et dire aux patients, bien, on est petit, mais au moins on a la colonne droite, ça vaut la peine. Mais ce n'est pas, disons que ça ne nuit pas tant que ça à la qualité de vie du patient quand on regarde. Ça ne cause pas de douleur, ça ne cause pas de difficultés au niveau de la mobilité. Les patients sont capables de faire ce qu'ils veulent. Ils ne finissent pas si petits que ça. 1,40 m, 1,50 m, c'est déjà très vivable comme grandeur. L'autre chose, c'est le ralentissement au niveau de la formation des os. Et ça va entraîner une perte de la masse osseuse. Autrement dit, la quantité d'os qu'on a dans un centimètre carré, il va en avoir moins. Donc, ça va être moins résistant. Alors, les conséquences, c'est qu'on va avoir un os qui va moins résister aux forces qu'on va appliquer dessus. Donc, ils vont casser. Quand ça casse, ça fait mal. Quand vous avez un os qui est très transparent, ben, un mouvement simple peut entraîner justement des fractures, on voit les... je vais finir ça vite. Et au niveau des vertèbres, on voit les écrasements, on perd beaucoup, beaucoup de taille. Maintenant, ça vaut la peine de traiter parce que effectivement, c'est très souffrant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, il y a plusieurs médicaments qu'on peut utiliser et effectivement, on arrive à avoir un résultat qui est raisonnable. La vitamine D, malheureusement, ça ne change pas grand-chose. Il est important d'en donner, il est important de ne pas en manquer. Mais même si on en donne plus, on ne va pas améliorer ce problème. Ça n'a rien à voir avec la vitamine D. Les suppléments de calcium, même chose. Ce n'est pas parce qu'on manque de calcium qu'on a une ostéoporose. C'est vraiment parce que l'os n'est pas fabriqué. Les biphosphonates sont utilisés actuellement déjà plusieurs années avec un bon résultat. Je dois admettre, on arrive maintenant avec ceux qu'on utilise à avoir une amélioration de la masse osseuse et... disons, un os qui arrête de casser et la douleur va être contrôlée complètement. Donc, c'est un traitement qui, je pense, est assez efficace pour améliorer et permettre de continuer ce traitement. Il y a d'autres médicaments qui s'en viennent, comme le denosumab, la sclérostine, la PTH, qui sont des traitements qui pourraient être utilisés et qui vont probablement être plus efficaces que les biphosphonates. Mais il n'y a pas encore d'études ou d'expérience avec cette médication pour entreprendre même des études actuellement.
La testostérone, bon, on la donne déjà. Je pense que c'est assez facile pour l'hypogonadisme de donner un supplément de testostérone, ce que l'on fait déjà et ce qui est très efficace actuellement. On pourrait parler beaucoup plus longtemps, mais je pense que ça va être suffisant. Alors, la dernière est plus loin et moins. On a demandé à Mimi Nadeau, qui a aussi parlé dans plusieurs milieux, qui est la dernière enfant, qui est à Sherbrooke, qui va donc faire ici, de venir nous clôturer cette partie un peu plus didactique pour voir la suite passer. Merci. Bonjour. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, je vais essayer d'y aller quand même assez rapidement. Le sujet d'initier la corticothérapie, il y a différentes questions qu'on doit se poser. En résumé, qui, quand et comment aborder le sujet avec les parents? Qui? Dr. Osqui a bien démontré l'efficacité des stéroïdes dans le Duchenne. Donc, théoriquement, tous les patients bénéficient de ce traitement-là et tous les patients devraient pouvoir se faire offrir ce traitement-là. Mais évidemment, comme tout traitement en médecine, il faut individualiser la prise de décision en fonction, entre autres, des familles et des caractéristiques du patient. Par exemple, si on a un enfant qui a des très gros troubles de comportement, bien, on va peut-être être tenté de repousser un peu l'introduction du traitement ou de commencer à des doses plus faibles, par exemple. Le but étant toujours, ultimement, d'avoir plus d'avantages que d'inconvénients avec le traitement. Quand est le meilleur moment pour introduire le traitement? En fait, comme Dr. Osqui disait, la réponse à cette question-là, c'est qu'on ne le sait pas, parce qu'il n'y a pas eu d'études qui ont adressé cette question-là spécifiquement. Toutes les recommandations qu'on a viennent de groupes d'experts, donc d'opinions d'experts, et eux nous recommandent en fait de tenir compte des étapes d'évolution de la maladie. Donc, je ne vais pas tout passer en détail, mais quand Dr. Osqui parlait de phase pré-symptomatique, le nom le dit, c'est qu'on n'a pas encore de symptômes ou des symptômes qui sont très peu caractéristiques, comme par exemple un léger retard de la marche ou un retard de langage. La deuxième étape, c'est l'ambulatoire précoce. C'est l'étape où on voit vraiment les signes plus caractéristiques, le Gowers, le dandinement, par exemple. Et bon, il y a les autres étapes par la suite. Donc, dans les premières années de vie, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une amélioration graduelle des capacités motrices, qu'on appelle des fois la lune de miel. Et ensuite, on va avoir un plateau qui va durer plus ou moins longtemps et éventuellement un déclin des capacités motrices. Et ce qui est recommandé, c'est de commencer les corticostéroïdes au moment où on est au niveau du plateau, qui survient habituellement entre l'âge de 4 à 7 ans environ. Donc, ce qui est clair, c'est que tant que le patient continue de faire des gains au niveau moteur, on n'introduit pas les stéroïdes. Quand le patient a déjà commencé à avoir un déclin, on est probablement déjà un peu en retard au niveau du traitement, mais c'est hautement recommandé de traiter là, à ce stade-là, évidemment. Au niveau du plateau, c'est recommandé, peu importe l'âge, en haut de 5 ans, même si on est encore au plateau, on va recommander de traiter. Je me suis posé la question, en fait, parce qu'ici, dans les recommandations de ces experts-là, ils mentionnaient entre 2 à 5 ans si on a un plateau. C'est sûr que c'est très rare qu'on va voir un plateau apparaître à 3 ans, mais disons qu'on verrait ça. Est-ce qu'on commencerait à 3 ans? Il n'y a pas de chiffre qui nous dit à quel âge, le plus jeune âge, qu'on pourrait commencer les stéroïdes. Mais juste par intérêt, il y a une étude qui est en cours, c'est multicentrique, où ils essaient d'étudier le meilleur régime de stéroïdes. Donc, ils comparent des flazacors, prednisone dié et prednisone intermittent. Puis, dans leurs critères d'inclusion, l'âge, c'est entre 4 à 7 ans. Donc, probablement 4 ans, ça serait l'âge cut-off un peu là, plus jeune où on pourrait envisager de commencer le traitement chez les patients qui, justement, sont déjà en phase plateau. Si le patient est non ambulant, disons qu'il n'a jamais eu de stéroïdes ou qu'il en a déjà eu puis que ça avait été cessé à cause d'effets secondaires, est-ce qu'on a encore des bénéfices à commencer le traitement à ce stade-là? Encore là, on manque de données claires, mais on pense qu'avec les observations, oui, il y a un bénéfice. Il est moindre, mais il est encore présent, notamment pour préserver les fonctions des membres supérieurs
diminuer les risques de scoliose et retarder l'apparition des complications respiratoires et cardiaques. Donc, évidemment, c'est toujours individualiser la prise de décision pour voir avec le patient est-ce qu'on pense avoir plus de bénéfices que d'inconvénients, mais on peut l'envisager, il n'est pas trop tard. Donc, quand on aborde le sujet avec les parents, la première fois qu'on va en glisser un mot, c'est souvent au moment du diagnostic pour leur mentionner qu'il y a cette option thérapeutique-là. Ensuite, quand on décide de leur offrir réellement le traitement, bien évidemment, on va parler des bénéfices, des effets secondaires. Je pense que c'est important aussi de parler des attentes parce que les parents qui vont voir un enfant avoir des effets secondaires sans gain, sans avantage observable, vont dire bien, pourquoi on donnerait ce médicament-là. Donc, c'est vraiment de leur expliquer que le but du traitement, c'est de ralentir la progression de la maladie et non pas d'avoir des gains fonctionnels, bien que parfois on peut en voir, mais ça n'arrive pas tout le temps. L'autre chose que j'ai remarqué avec les parents, c'est que j'ai mis cette image-là parce que ça me donne tout le temps cette idée-là. Les parents ont évidemment très peur des effets secondaires. C'est normal quand on leur récite là, la liste complète de ce que l'enfant peut avoir. On dirait qu'ils ont l'impression qu'une fois qu'on commence le traitement, ils ont comme le bras pris dans le tordeur. Là. Ils ont comme plus le choix après de continuer. Puis on dirait qu'il y a comme une hésitation des fois à commencer le traitement à cause de ça. Moi, ce que je leur dis, c'est que c'est pas un contrat à long terme. C'est comme n'importe quel traitement en médecine. On va ajuster le traitement en fonction du patient et notamment en fonction des effets secondaires. Donc, il y a des alternatives. On peut diminuer la dose, on peut changer, par exemple, la prednisone pour le déflazacor. Dernier point que je voulais mentionner, c'est quelque chose qui, en fait, m'a un peu surprise quand j'ai commencé à travailler avec cette clientèle-là, c'est que je me disais, tu sais, on n'a pas grand-chose à leur offrir à ces patients-là au niveau médical. Donc, je croyais que les parents seraient tous emballés dès qu'on commencerait à parler de la prednisone pour commencer le traitement parce que ça peut ralentir la progression de la maladie. Mais je ne sais pas, dans l'expérience, ce serait intéressant d'en parler. Ce n'est pas nécessairement ce que j'ai observé. Bon, je pense qu'il y a une partie qui vient du fait qu'ils ont très peur des effets secondaires, mais avec le temps, une de mes hypothèses, c'est que j'ai l'impression que ça représente une étape de deuil pour les parents. Dans la dystrophie musculaire, bon, le premier deuil arrive au moment du diagnostic, évidemment. Éventuellement, il va y avoir le deuil de l'ambulation. Donc, quand on commence à parler du fauteuil roulant, c'est un moment critique qui est souvent aussi vécu difficilement par les familles, les patients. La ventilation éventuellement, mais je pense que aussi le moment où on commence à parler de la prednisone ou du déflazacor, c'est un petit peu comme si on leur remettait en pleine face aux parents, oui, votre enfant est malade, oui, votre enfant a une maladie dégénérative. Donc, je pense qu'il faut respecter cet aspect-là avec les familles qui peuvent prendre du temps comme décider si oui ou non ils veulent commencer le traitement, puis être conscient que c'est il y a une charge émotive là, par rapport à tout ça. Quand cesser, encore moins de données par rapport à ce sujet-là, les experts recommandent quand même maintenant de poursuivre le traitement au-delà de la perte de l'ambulation, un peu comme on disait tout à l'heure, pour préserver les membres supérieurs au niveau respiratoire, cardiaque. Évidemment, si le médicament est bien toléré. Donc, si on a un patient qui a tellement d'effets secondaires que finalement, les bénéfices qu'on pourra en retirer sont minimes, ça peut être recommandé d'arrêter. Mais la plupart, j'en ai parlé un peu avec des collègues adultes, puis la plupart des patients qui sont déjà sous traitement vont le continuer. Bon, après ça, quand on l'arrête, là, c'est plus encore plus âgé, j'imagine, que les patients qui sont quadriplégiques, qui sont déjà sous ventilation 24 heures, les gains sont quand même minimes. C'est encore drôle au niveau cardiaque, peut-être que... c'est des choses qu'on ne sait pas vraiment, puis qui restent un petit peu à individualiser encore une fois là, en fonction des patients.